Tommy. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, OK? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, OK? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, OK, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est quoi? Gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bonne nuit, Trésor. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Il marche pas. Oh mince. J'ai oublié de lui donner ça. Papa? Tu es là? Les émeutes sont en fait liées à la pandémie qui frappe. Qu'est-ce que t'es passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Vous pouvez évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Son téléphone. Il t'appelle en absence. Mais où est-ce que t'es? Appelle-moi.
J'arrive bientôt. Voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là. Jimmy, je te préviens. Allez, allez. Tu l'as tué. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Oui. Tommy, allez. Allez. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien, tirons-nous des morts. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? On va te dire ce qui s'est passé. Plus tard. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Un radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait... l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. On la 60-61, c'est la nuit. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée. Tommy. Dans sa maison. C'est arrivé. Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est, de la côte ouest. Oh, merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. Il m'en fait pas pour lui. Malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien, crois-moi. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue! Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi! Mais on a de la place! Continue, Tommy. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passe. Recule, ma puce. Recule.
suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. Mal comment? Très mal. On va devoir courir. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. Fermez ma puce. Presque.